Bonjour à tous, c'est Alicia, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour la suite du tuto Escape Simulator avec le dernier niveau du labyrinthe d'Égypte, donc la pointe. Donc c'est parti pour ce tuto les amis. Alors, dans ce dernier niveau du labyrinthe d'Égypte, vous allez devoir commencer par vous approcher de la boule remplie de sable et bougez la croix égyptienne à l'intérieur pour l'observer. Vous remarquerez que le haut de la croix est rayé et le bas a des poids. Tournez le mécanisme pour obtenir les symboles correspondant au motif et au type de l'objet et tirez le levier. Ensuite, le pilier est remplacé par un autre et d'autres éléments sont apparus autour de vous. Commencez par celui de droite où vous trouverez une pierre précieuse qui tire un rayon lumineux sur des statues en forme de diamant. Utilisez les deux leviers à votre disposition pour diriger le faisceau de lumière et imiter le dessin affiché juste en dessous du mécanisme. Une fois que vous aurez réussi, un pilier se dressera sur votre droite. Allez maintenant à gauche et organisez les tablettes pour qu'elles correspondent au paysage devant vous. Une fois ceci fait, un autre pilier se dressera dans le coin. Retournez maintenant au milieu de la pièce et tournez les trois cubes pour observer les symboles qui s'y trouvent et les faire correspondre avec ceux qui se trouvent sur les différents autels. Il y a donc deux combinaisons à entrer et chacune ouvre un compartiment. Une fois que vous avez entré ces combinaisons avec succès, vous pourrez récupérer les deux poignées dans les compartiments rouges sur le sol. Elles sont de formes différentes et vous devez les placer dans les autels qui leur sont associés. Une fois que vous avez fait ça, tirez sur le côté et des compartiments supplémentaires s'ouvriront dans chaque autel. Ramassez toutes les statuettes qui s'y trouvent, ainsi que les deux statues de pyramide et la statuette qui se trouve au sol. Placez-vous maintenant devant l'autel avec les tours et déposez les statues de pyramide dans le même ordre que les tours à l'horizon. Une fois que vous avez réussi, un autre pilier se dressera sur le côté. Dirigez-vous maintenant jusqu'à l'autel face aux statues. Il faut recopiez la position et la direction des statues face à vous avec les statuettes que vous avez ramassées. Vous pouvez appuyer sur espace pour tourner les statuettes. Donc une fois que vous avez réussi, donc dès qu'il y a le pilier qui se dressera sur le côté, vous attendez avant de faire la suite
Et on va maintenant parler des jetons. Pour le premier jeton, il faut que vous vous placez devant l'autel avec le faisceau lumineux et que vous regardez les statues en forme de diamant. Il y a un jeton sur l'une des statues de la première rangée. Pour le jeton 2, vous trouverez un jeton sur le côté droit du diamant qui tire le faisceau lumineux. Pour le jeton 3, vous devez vous placer dans le coin entre l'autel des statues et celui où il vous faut imiter le paysage et regarder au sol, vous y trouverez le jeton. Pour le numéro 4, le jeton 4, si vous regardez entre l'autel des statues et le bol de feu à sa droite, vous trouverez le jeton dans le sable. Le jeton 5, il vous suffit de vous accroupir près de l'autel des statues et de regarder vers le haut, vous y trouverez le jeton sur l'autel. Jeton numéro 6, il se trouve sur la statue qui regarde vers la droite tout à gauche. Le jeton numéro 7, il se trouve derrière le bol de feu à côté de l'autel avec les pyramides. Et le dernier jeton, il suffit d'utiliser le briquet pour allumer le seul bol qui n'est pas en feu et un jeton apparaîtra quand le bois aura disparu. Voilà les amis, maintenant vous pouvez terminer le niveau, observer le ciel autour d'eux et appuyer sur le bouton qui correspond à la constellation que vous voyez. Pour faire simple, j'ai associé les piliers avec des chiffres 1 à 4. Le pilier 1 est le premier pilier à droite de l'autel avec les statues. Donc vous mettez le pilier 1, bouton du haut, pilier 2, bouton du bas, pilier 3, bouton du haut et pilier 4, bouton du bas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé dans votre progression dans le jeu Escape Simulator. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, et que vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, eh bien, il vous suffit de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de n'oubliez pas surtout d'activer la cloche si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos, les amis. Et puis donc, nous, en attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous dis, prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Bye bye!